L'année 2020, ça a été vraiment super pour moi. Comme j'ai eu à faire des choses que les médias aussi ont eu à passer, vraiment, ça m'a beaucoup fait plaisir. Grâce à eux, j'ai voulu, grâce à eux, partout, mon nom est dans le monde entier. Il y a eu d'encouragement, il y a eu des gens qui ont promis aussi, mais les promesses aussi n'ont pas encore réalisé. Bon, beaucoup m'ont appelé pour me demander les matériels que j'utilise pour travailler. Si je n'en ai pas, ils vont m'aider pour que je puisse avoir les matériels pour pouvoir confectionner d'autres choses. Mais comme c'est une promesse qu'ils n'ont pas encore réalisée, je ne peux pas dire que non, ils m'ont aidé pour le moment. Les objets que j'ai eu à fabriquer, c'est la voiture qui est là actuellement avec moi. La voiture de son excellence, Papa Kabouré, qui est avec moi actuellement. Sinon, la maison, j'ai eu à livrer ça avec Papa Abdul Service International. Pour la maison, on m'a appelé d'envoi. Donc, je suis allé livrer. Ils ont fait l'entretien avec moi. On a eu à causer, on a eu à discuter. Ils ont dit vraiment qu'ils vont m'aider pour... Ils vont faire ce qu'ils aussi peuvent faire pour moi. Je pense que si je trouve le matériel nécessaire que j'utilise pour travailler, ils pensent que je vais pouvoir créer d'autres choses que les gens vont se demander. Ça a été créé ou ça a été créé ici au Burkina Faso. Ma création, je n'apprends pas, ça y est déjà dans le cerveau. Je pense qu'une fois que les matériels sont là seulement, l'inspiration aussi vient et puis bon, la création aussi, je crée ça après. Si les matériels viennent, il y a beaucoup de choses à faire. Bon, d'abord, il y a un avion à créer. Il y a un terrain de football que je dois créer pour un joueur africain. Après ça, il y a une voiture Range Rover à créer aussi. Il y a Bugatti Veyron. À part ça, il y a d'autres choses aussi que je vais créer. Mes attentes pour 2021, dans l'année 2021, je pense que si je trouve les matériels pour pouvoir travailler, je vais confectionner d'autres choses pour mettre sur les marchés. Et après ça, je compte un jour devenir un ingénieur ou soit travailler dans une usine de fabrication de voitures. C'est ça mon rêve.